De tel sorte que moi, si jamais j'avais pas, j'avais pas pris la décision de me lancer, ben, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Toi, là, je suis en Colombie. Ben, je serais pas en Colombie, quoi. Enfin, toi, je serais pas allé à Miami. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, mon ami, on est en direct ou pas? En direct de la Colombie, ça fait plaisir ou pas? Donc, comme ça fait plaisir, on s'abonne, hein, on clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais. Ici c'est Jonathan Chi, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être plus géographiquement, d'être mieux inversé toi-même. Tu connais tout ça, hein. Nous on voyage, ça fait un moment, là on est en Colombie, direct de la Colombie, tu vois. Tu peux faire aussi, j'ai grandi à Évry, d'accord, vraiment, j'ai redonné mon BEP, je l'ai fait, tu vois. Avec mon premier visa qui était sur le saxophone, je fais 20 000 euros une semaine en 2016, tu vois. Ben voilà, hein, c'est pas compliqué, c'est pourtant c'était sur le business du saxophone, imagine. Je regardais des formations sur le saxophone. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, c'est des anciens qui font du sport. Ah, ok. Donc les gars, à un moment donné, tu veux découvrir, si tu aimes voyager comme moi là, Moi je kiffe voyager, tu vois. Découvrir des nouvelles cultures, une nouvelle architecture, tu vois, tout est différent, tu vois. Oh, regarde ça. Architecture différente. Tu vois, c'est cool. Ça fait plaisir. Donc, nous ici on n'est pas confinés de ouf. Enfin si, on est confinés quand même là. Enfin. Plutôt, je crois que là en ce moment, si tu veux sortir, c'est non. C'est comment ça s'appelle encore ça? Couvre-feu. Couvre-feu jusqu'à 8h. À partir de 8h, tu peux plus sortir. Et à partir du jeudi 8h jusqu'au lundi matin 5h, personne ne peut sortir. C'était pas comme ça il y a une semaine, mais bon. Il y a dû avoir des pics. Le coronavirus! Ouais. Bref, tout ça pour te dire que si tu aimes voyager, mon gars, faut créer ton business en ligne. J'ai envie de te dire, c'est même plus question de se faire plaisir là, c'est une question d'assurance. Attends, mon gars, si jamais tu crées pas ton business en ligne là, bon, c'est bizarre, hein. C'est bizarre pour l'avenir, hein. Dis ça, je dis rien. Hein. Ok, de toute façon, t'as tout en description pour passer. T'as tout en description pour aller plus loin. Hein. Influenceur 2.0, tu connais. Bon, du coup, le sujet de la vidéo, parce qu'on est là, on s'oublie. Je sais pas si tu m'entends bien. Il y a un panneau là. Gaz naturel. Si, madame. Voilà, comment ça? Eh, hey, mon ami. Du coup, quoi, on parle espagnol ou pas? Donc, du coup, je vais te parler ouais, des 20%. Comment faire partie des 20%? En France, parce que chaque marché est différent. Chaque marché est différent, mais comment faire partie des 20% en France, gars? Tu sais quoi, je regardais ça l'audio. En plus, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais j'ai regardé ça l'audio. J'ai dit, tiens, combien gagnent les gens qui font partie des 10% en France, tu vois? Donc, tac, j'avais regardé, j'avais vu, genre, c'était pas. Je crois que c'était genre 8000, je crois 8000, tu fais partie des 10%, tu vois. Peut-être même un peu moins. Ouais, je crois que c'était 8000, un truc comme ça, par mois, tu vois. Après, tac, je me suis dit, c'est moins parce qu'aux States, tu vois, 14% font entre 100K et 150K, tu vois. De toute façon, on tente à écraser là. Voilà. Ouais. Ah ben, je sais pas si c'est une bonne idée que je vais mettre là parce que là c'est la route. Ah, je vais peut-être me mettre plutôt là-bas. Sinon tu vas pas m'entendre. C'est dommage quand même. C'est dommage si tu m'entends pas quand même. Ça c'est la piste cyclable. Ça ici mon gars, tu vois la piste cyclable là ici? Si jamais tu crois que tu auras marché, tu crois que c'est un passage piéton, il t'écrase gars. Véridique gars, je vais mourir trop de fois.
Donc du coup, je disais, ouais, je regardais du coup sur, au States, et j'ai vu au States que genre, c'était 14%, ouais, ils gagnaient entre 100 et 150 000 dollars. J'ai dit, ouais, c'est un autre game. Bref, donc en France, j'avais vu ça, et pour faire partie des 20%, du coup, j'avais regardé 20%. Les gens qui font partie des 20%, ils font 4000 euros. 4000 euros, franchement, les gars. Honnêtement, on va pas se mentir. Hein. Si jamais tu les fais pas, c'est que tu t'es jamais lancé en fait. C'est tu t'es jamais lancé ou tu as commencé mais t'as arrêté au bout de 2-3 mois. Dans ces gars là, franchement, avec toutes les opportunités qu'il y a là, je sais pas, juste influenceur 2.0, faire 4000 euros par mois. Franchement, tu les fais. Hein. Imaginons, genre, tu. Même, on va juste dire, ouais, tu cherches plutôt un complément de revenu. Parce que des fois, il y a des gars qui me disent, ouais, je cherche un complément de revenu et tout. Je veux juste 500 euros par mois. Déjà, première chose, c'est que. En tout cas, avec les stratégies de tout ce qui est business en ligne, tu vois. Que ce soit même e-commerce, hein, que ce soit. Que ce soit influenceur 2.0. En fait, les mêmes stratégies, la même énergie que tu vas faire pour pouvoir faire 500 euros. C'est la même chose que ce sera la même chose en fait pour pouvoir faire plus en fait. Ça revient au même en fait. Ce sera juste en fonction de toi, est-ce que tu veux travailler plus ou est-ce que tu veux t'investir plus pour gagner plus, tu vois. Mais les gars, faire 4000 dollars, imaginons que tu fais 2000 euros avec ton taf, ça veut dire que t'as plus qu'à faire 2000 euros avec ton business en ligne. Franchement les gars. Donc là, faire partie des 20%, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi, pas facile, mais aussi accessible. Là, clairement, les gars, si vous ne faites pas au moins 4000 euros par mois, les gars, on va dire, allez, je suis gentil, 4000 euros, genre, en cumulant votre taf et votre business à côté. Non, les gars, c'est pas normal. On va passer, on va parler vrai, c'est pas, y a un problème. C'est pas possible, en fait. Un truc que tu cherches pas, c'est pas, tu t'es pas lancé ou t'es fainéant là, c'est tout. T'es fainéant, tu parles beaucoup mais t'agis pas comme beaucoup. Attention de pas se faire écraser. Non, clairement. Je te montre un petit peu la Colombie ou pas. Là ici quand le feu est vert mon gars, c'est vraiment vert, hein, faut faire attention. Hein. Je suis traversé. Hop. Il y a toujours un gars qui fait des trucs au feu rouge. Je sais pas si tu vas voir. Il fait des. Je sais pas si tu vois le gars là. Ah, il a arrêté. Déjà, il y a toujours des animations au feu rouge. Des gars qui fait des jongles, tout ça. Ah, je fais attention, mon gars, parce que ici, mon gars. Quoi. Ah, ils ont failli m'écraser. Ouais. Vous voulez m'écraser, les gars. Non, sérieusement, les gars. Après, je dis pas parce que je sais qu'à PSG, votre millionnaire, machin. Ok. Et je sais qu'il y a aussi des gens, ils veulent juste être bien, tu vois. Et 4000 euros, bah déjà t'es bien quoi. 4000 dollars, tu fais partie des 20%, tu peux avoir une vie déjà qui commence à être pas mal, tu vois. Après c'est en fonction de tes objectifs. Mais il y en a qui suffiront, enfin, il y en a qui seraient genre ok et qui seraient contents de faire au moins 4000 dollars par mois. Donc les gars, arrêtez de réfléchir. Juste passer à l'action les gars. De toute façon mes vidéos elles sont faites pour ça. Hein. Tu sais, j'ai fait je sais pas combien de vidéos. Je sais pas combien je suis, peut-être à 800, 67, 900. La finalité de mes vidéos c'est toujours la même chose les gars, bougez-vous les gars. Bougez-vous. Tu veux faire un complément de revenu, ben bouge-toi. Toi tu réfléchis en fait. Enfin, je reçois des messages. Oui je vais bientôt me lancer. Oui je réfléchis. Oui le mois prochain. Oui. Ah, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable, vous perdez du temps. Vous avez peur, mais pourquoi en fait, j'ai vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens, ils ont peur. Arrête, tu me diras, tout le monde peut pas être riche. Tu vois. Parce que 20% de la population, on peut commencer à dire que c'est riche. Après, c'est vrai que quand tu entends le chiffre 4000 dollars, tu te dis, bon, c'est pas quand même beaucoup, tu vois. Mais quand même, bon. Déjà, t'es plus à l'aise que la plupart des gens, quoi, déjà. Hein. Plus de la moitié. Tu vois, donc c'est pas grand chose 4000, mais ça, c'est quand même pas mal par rapport aux gens de la moyenne, tu vois. Donc, les gars, arrêtez de réfléchir quoi.
voulez changer votre vie ou pas? C'est incroyable ça. Il n'y a rien qui va se faire tout seul, hein. Si vous faites rien, il ne va rien se passer. Je suis toujours choqué en fait. C'est ça qui ne va pas se passer à la soupe. Vous connaissez en freestyle, hein. On a ouvert la caméra, boum. En tout cas, sache que moi, si jamais j'avais pas, j'avais pas pris la décision de me lancer, ben, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Voilà, je suis en Colombie. Ben, je serais pas en Colombie, quoi. Enfin, toi, je serais pas allé à Miami. Je parlerai pas anglais, en tout cas actuellement, parce que le fait que je parle anglais là, c'est parce que j'ai pu voyager, partir je sais pas combien de temps à Miami. Je suis resté longtemps à Miami, hein. Les deux dernières années là, j'y étais au moins un an, je pense, plus le Canada. Donc du coup, j'aurais jamais parlé anglais. Là je commence à parler un petit peu espagnol. Enfin, en fait, votre vie elle change, les gars. Juste les résultats que tu as dans ta vie aujourd'hui sont liés aux décisions que tu as prises dans ta vie, c'est tout. Ça même sont liés à la routine que tu as, aux habitudes que tu as, à la manière de penser que tu as. Je revois trop de messages comme ça, les gars, qui sont en train de réfléchir. Ils pensent que je suis leur père. Oui, je vais bientôt me lancer, t'inquiète pas. Oui, nanani, nanana. Mais les gars, enfin, moi, j'ai rien à faire, moi. Moi, c'est cool, tu vois. Enfin, je vends des formations en ligne, mais c'est pas ma seule source de revenus, tu vois. Donc, moi, c'est pas mon problème en fait. Moi, j'ai tout mis à un prix super accessible, Freelancer 2.0, pour que tout le monde puisse se lancer, que ça soit accessible. Et donc, je voulais juste faire un test parce qu'avant, je vendais beaucoup plus cher. Ok, j'ai dit, tiens, je vais faire un test pour voir si je vends moins cher, si les gens sont plus chauds. Parce que il y avait toujours des excuses, oui, mais c'est trop. Ouais, ça déchire la formation, mais elle est un petit peu trop élevée par rapport à mon budget. Là, là, là. Je me suis dit, ouais, vas-y, tiens, on va tester pour voir. Ok, j'en étais sûr, hein, pratiquement sûr que ça allait changer, tu vois. Et effectivement, ça va pas changer. Les gens ont toujours des excuses en fait. Ils ont toujours trouvé des excuses. Donc voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vais aller à la salle de sport tranquillement. Tranquillement. Fitness Park. Ah, Fitness Park. Non, rien à voir. Rien à voir avec Fitness Park. En fait, ça s'appelle Smart Fit. Genre, c'est Smart et c'est Fit. Bonne séance, comment ça? Ça va bien? Ah ouais, ouais. Tout le monde est gentil ici. C'est comme ça que ça se passe, tu vois. La Colombie. Oh, il n'y a pas vraiment là. Ah bah c'est ça. Quand tu es libre comme ça, ton propre patron, bah, tu peux aller à des heures où il n'y a personne. Les magasins sont même pas encore ouverts. Donc les gars, n'hésite pas à me mettre un j'aime, mais j'aime pas si t'aimes cette vidéo. J'avais envie de parler de ça, boum. Je dis, bah vas-y, j'ouvre la caméra, boum boum. Tu vois, et je parle. Je dis, ouais, les gars, 20%, les gars, c'est, en fait, c'est easy, quoi. Enfin, c'est easy. Faut taffer, tu vois. Faut taffer, mais faire partie des 20%, gars, ça va super vite. Et une fois que tu seras parti des 20%, tu vas prendre goût, tu vas vouloir passer aux 10%, et il faudra juste taffer, juste avoir les bonnes stratégies. Ouais, toi, avec FSR 2.0, ta façon de poison, c'est les mêmes stratégies que tu vas toujours mettre en place, sauf que le temps va jouer pour toi en fait. Ça fait que l'argent en fait il va venir au fur et à mesure, ça va augmenter au fur et à mesure en fait. Mais tu feras les mêmes stratégies, tu vois. Après, il va falloir avoir une équipe si jamais t'as trop de clients, etc. Bah, après, tu deviens un businessman, quoi. Entrepreneur. Donc voilà, les gars. C'est cette terre de. Saxophone, parce que tu vas l'entendre. Je vais te laisser. Et on se voit sur une prochaine vidéo. Ok, les gars. On lâche rien. Et on va se déterminer. Il y a eux, il y a nous. Ça, c'est la Smart Fit, tu vois. Smart Fit, ça s'appelle. On va s'en préparer. Ok, non. Oh non, vidéos? Oh, ok. Es prohibido. No puede. Sí, ok. Sí. Muchas gracias. Chao. Eso está así, creo.